On va passer au témoignage et c'est Sophie qui reprend la main. Alors, oui, donc petit récap sur la suite du déroulé. Donc là, on va avoir quatre témoins, donc quatre personnes qui sont concernées directement par la thématique de la journée, passer du salariat à l'entrepreneuriat. Après chaque témoignage, il y aura une ou deux structures qui va également présenter rapidement son accompagnement, sa proposition en lien avec la thématique. Et pendant ce temps-là, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On se charge de les recenser et on pourra y répondre à la fin de ces interventions. Et vous inquiétez pas, on prendra le temps de répondre à toutes les questions. Si ce n'est pas tout de suite, ça sera dans tous les cas à la fin de l'événement. Du coup, maintenant, je vais passer la main à Delphine et Elodie qui vont commencer leur première interview. Oui. Élodie, ce que je vais faire, je vais t'épingler Élodie en haut pour que tout le monde la voit bien. Bonjour Élodie, je te présente rapidement. Tu as 37 ans, tu as deux enfants de 2 et 5 ans et tu es actuellement ingénieur qualité dans l'aéronautique depuis 13 ans et donc ça fait 13 ans que tu es salarié. C'est ça. Voilà. Donc toi, tu en es au début du chemin du salariat à l'entrepreneuriat, au stade de l'idée bien mûre. D'accord? Et tu vas nous en parler tout à l'heure. Je précise qu'on se connaît avec Elodie parce qu'elle a participé à un programme WeGirls. Première question, Elodie, qu'est-ce que tu vivais dans ton quotidien professionnel qui t'a amené à décider de vivre un programme qui permet de trouver une activité professionnelle pleine de sens? Mais moi, en fait, le fait de travailler du coup dans une grosse société, ça m'a jamais épanouie. Travailler pour des gens et aujourd'hui même encore pire, que des financiers qu'on ne connaît pas, ça ne me convient plus du tout. J'ai eu souvent le sentiment d'être finalement qu'un employé parmi tant d'autres, avec un management que j'ai beaucoup subi et qui ne nous a pas tirés vers le haut, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, l'entreprise en plus pour laquelle je travaille est en déclin depuis quelques temps. Avec le Covid, ça n'a pas aidé hein, dans l'aéronautique. Et du coup, ça aide encore moins pour s'épanouir et voir la vie sereinement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de savoir pour qui et pourquoi je travaille. Est-ce que tu avais déjà pensé à changer d'entreprise? Alors, oui, j'ai pensé plusieurs fois au cours des 13 années, mais par rapport à mes besoins de ma sphère personnel, mon poste était aussi une sécurité, j'en avais besoin pour avancer sur le privé. J'ai postulé quelques fois ailleurs, mais ça n'a jamais abouti. Et puis en fait, je me suis toujours un peu demandé si l'herbe était vraiment plus verte ailleurs, et surtout si je restais dans ce domaine-là. Et du coup, je ne savais pas trop si c'était mon entreprise qui ne me convenait pas ou mon métier. Et puis, en fin d'année, j'ai eu une opportunité où vraiment, voilà, tous les voyants étaient un peu ouverts, en tout cas par rapport à mon profil. Et puis finalement, bah, nous, on avait déjà avancé dans WeGirls, on était à la moitié du programme, et je me suis dit que c'était plus ma place, que j'avais plus envie de ça, même si ce poste, je savais bien le faire, j'en avais plus envie. Et donc, c'est là que j'ai senti que le changement était en train de s'opérer, que c'était, voilà, que je voulais plus de ce que je vivais au quotidien. Du coup, c'était quand et pourquoi t'as décidé de participer au programme WeGirls? En fait, au mois de septembre, j'ai une copine qui a posté un petit questionnaire de 6 personnes. Vous m'entendez? Six questions, ouais, De c'est six bon, vas-y. questions, pardon. Ouais. Ça résonnait, pardon. Oui, ça y est, il y a eu un petit écho. D'accord. Donc, de 6 questions, donc qui parlaient de ce qu'on ressentait sur son travail et sur soi-même. Et comme j'ai dit à Delphine, en fait, quand je l'ai contactée, j'ai eu 6 sur 6 au questionnaire. Et donc, à la fin du questionnaire, c'était marqué si tu as coché plusieurs cases, il faut qu'on parle du programme. Mais donc, j'ai contacté Delphine. Oui, Et c'était des questions sur le ressenti plutôt négatif au travail. c'est Voilà. ça. Et donc, mon objectif en débutant WeGirl, c'était vraiment de découvrir ce pourquoi j'étais faite, ce qui allait vraiment me plaire, me faire vibrer, parce que j'en avais un peu aucune idée. J'étais tellement focalisée sur ce que je faisais déjà que je m'étais jamais ouverte à me poser les bonnes questions.
Et donc voilà, j'avais envie de savoir un peu où j'allais. Je m'étais toujours dit qu'à 40 ans, donc dans 2-3 ans, il serait temps de changer un peu de sphère pro. Et puis bah voilà, je me suis dit, allez, prenons un peu d'avance et on va voir ce que ça donne. Ok, du coup, c'est quoi qui t'a permis d'identifier ce que tu voulais faire maintenant? En fait, pendant le programme We Girls, on a fait plusieurs ateliers sur la connaissance de soi. Et c'est vraiment en prenant conscience de mes moteurs internes et de ce qui était fait pour moi que j'ai eu le déclic. Initialement, quand on a un peu travaillé tout ça, j'avais pensé à un autre projet. Et puis je sentais qu'il restait un blocage et donc j'ai repris toutes mes notes de tout le travail qu'on avait fait. J'ai cherché sur Internet ce qui existait vraiment par rapport à ce que je ressentais et ce qui bloquait. Et puis finalement, tous les voyants se sont mis au vert et j'ai trouvé l'activité qui me convenait. Bon, et est-ce que tu veux bien nous partager en exclusivité presque ce que tu as décidé de lancer comme activité? Donc j'ai décidé de devenir home manager et home organizer. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, en fait ça consiste donc à accompagner les personnes et ou familles vers une organisation de leur quotidien, de leur intérieur. L'objectif c'est vraiment de leur permettre de retrouver du souffle à leur vie. C'est vrai qu'on voilà, tout on est tous à un moment donné on s'est tous dit qu'on étouffait un peu dans son quotidien, que la charge mentale était trop lourde, qu'il y avait trop de corvées ménagères, que l'accumulation de trop de choses aussi dans son intérieur. Et voilà, j'ai envie de les aider à retrouver de la sérénité pour avancer et avoir du temps pour faire des choses plus agréables, pour profiter de ce qu'on aime avant tout. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de créer ton entreprise? Peut-être d'abord, qu'est-ce qui est positif et puis qu'est-ce qui est moins agréable? Moi, en positif, ça va être la liberté de faire ce que j'aime et de me dire que voilà, je vais me lever tous les matins en faisant ce qui me fait vibrer. Tout me plaît dans cette activité. Voilà, ce côté humain et ce côté organisationnel, mais les deux vont pouvoir être réunis dans mon quotidien. Donc en ce moment, c'est un peu l'euphorie parce que ça avance, ça bouge beaucoup. Je commence ma formation lundi prochain. Je débute avec Erel la semaine prochaine également dans la création de mon entreprise. Je me dis que là, voilà, maintenant, aujourd'hui, si ça va avancer, c'est grâce à moi. Je vais le faire pour moi, pour mon entreprise. Je vais faire une entreprise à mon image. Je ne vais plus subir. Et voilà, c'est un peu l'euphorie en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses moins agréables qui sont présentes aussi? Alors forcément, aujourd'hui, ce qui est moins agréable, c'est j'ai la peur par rapport à ma perte de salaire. Je ne souhaite pas du tout perdre les acquis de ma sphère perso que j'ai réussi à construire jusque-là. Donc dans un premier temps, il va falloir que je conjugue avec mon activité actuelle mon métier de home organizer. Donc c'est un peu cette phase d'appréhension, cette phase de transition dont j'ai un peu peur. Voilà, c'est comment rester motivée quand même par les deux et de faire quand même bien mon travail, celui pour lequel je suis payée par mon entreprise. Il ne faut pas que je les délaisse non plus si je décide d'y rester. C'est un peu ma peur actuelle. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens qui sont salariés ou qui sont en situation de chômage en ce moment, hein, parce que c'est qui ont l'habitude d'être salariés et qui vivent la même situation que tu vivais toi il y a quelques mois dans ton travail? Moi, j'ai envie de leur dire voilà, qu'il faut vraiment qu'ils réfléchissent à ce qui leur plaît dans la vie, à qui ils sont vraiment, et se mettre en accord avec eux. Quand ça fait longtemps qu'on fait la même chose, on est un peu perdu dans le milieu... Dans ce qu'on fait, le milieu salarial nous fait quand même beaucoup perdre confiance en soi. Enfin, peut-être pas pour tous, mais moi, en tout cas, ça a été ça. Et le coaching avec We Girls m'a vraiment permis de retrouver ce qu'on a au fond de soi et ce qui nous fait vibrer retrouver cette dynamique un peu perdue. Et puis, ne pas attendre quand on sent que son métier, ça devient un poids. Voire même avant, idéalement. Ça vaut le coup d'essayer de voir un peu ce qui pourrait nous plaire et si on pourrait en vivre. Et garder aussi en tête un peu que la pression du quotidien peut nous abîmer, nous détruire et qu'il faut peu de choses finalement pour retrouver la personne que l'on est vraiment et retrouver notre confiance en soi.
Donc ça vaut le coup. Merci Elodie. On va passer tout de suite aux présentations des structures alors de Charlotte du CIDFF. Si vous avez des questions pour Elodie, vous pouvez commencer à les écrire dans le chat. Ah oui, donc c'est moi, je dois te désépingler. Hop. Et je vais mettre Charlotte. Charlotte, CIDFF, donc, qui va pouvoir intervenir, elle va vous expliquer ça quand vous êtes encore en situation de salariat. À vous, Charlotte. Ok, donc je suis Charlotte Nicolas, donc du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc juste pour rappeler un peu la mission principale du CIDFF, c'est de promouvoir l'autonomie des femmes et l'égalité femmes-hommes. Donc on va pouvoir réaliser de la formation juridique, de l'accompagnement à l'emploi et d'autres thématiques également. Ça va être des services gratuits et confidentiels. Pour les activités plus précisément autour du service emploi et plus en rapport, je dirais, avec la thématique de cette matinée, on en a deux. Je dirais la première, le bureau d'accompagnement individualisé vers l'emploi, où là, on va être présent pour vous informer, vous orienter. Donc, c'est vraiment pour tout public. Et on va avoir également un accompagnement plus spécifique pour les femmes. Et deuxième activité, donc le conseil en évolution professionnelle qui là est destiné à tous les salariés et indépendants. Ça va être du coup si vous avez besoin de prendre du recul par exemple sur votre carrière professionnelle, vous avez envie de vous former ou vous avez un projet de création, reprise des entreprises. Et pour ces projets-là, notamment le projet de création reprise d'entreprise, on peut vous accompagner notamment sur le dispositif démissionnaire. Il y a un site qui est dédié, donc c'est le site démission reconversion où vous trouverez toutes les étapes pour mettre en place ce dispositif-là. Alors juste rapidement, ce dispositif, c'est pouvoir démissionner de votre emploi et prétendre à vos allocations chômage. Élément important, pour s'engager sur ce dispositif, il y a un rendez-vous obligatoire avec un conseiller en évolution professionnelle. Et donc, on a une plateforme qui est dédiée. Pour prendre rendez-vous, alors je vais peut-être donner le numéro de téléphone, c'est le 09 72 01 02 03. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Moi, je vais vous parler rapidement de ce que je fais et qui peut vous intéresser, que vous soyez un homme ou une femme, parce que je ne travaille pas que avec les femmes. Donc, quelque chose qui peut vous intéresser, si vous avez envie de ce dont nous a parlé Elodie, de vous connaître un petit peu plus. Donc, moi, je suis Delphine Laval, je suis la fondatrice des We Girls. Avant d'avoir mon entreprise We Girls, j'ai vécu trois repositionnements professionnels. J'ai créé, donc cette entreprise, c'est ma deuxième. La première a vécu un bel échec. Donc je suis assez formée et j'ai vécu aussi de l'intérieur ce que peut-être vous êtes en train de vivre. J'ai deux grands types d'activités. Le premier, c'est donc des bilans de repositionnement professionnel, avec une méthodologie innovante qui va prendre 4 à 6 heures et où on va aller regarder comment votre cerveau il préfère fonctionner et ensuite vos moteurs internes, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous met vraiment en joie, vous fait vibrer pour identifier des activités professionnelles qui vont vraiment vous correspondre. Le deuxième grand type d'activité que je fais, c'est donc des programmes de coaching collectif pour les femmes. Il y en a deux grands types, We Girls Go, We Girls Up. We Girls Go, c'est vraiment pour les femmes qui sont dans une situation de professionnelle où elles s'ennuient, elles souffrent dans leur travail et elles ne savent pas vers quoi se diriger. Donc, il y a à la fois le fait de faire un bilan et de recréer un mouvement, une dynamique avec d'autres femmes. La grande nouvelle de ce début d'année 2021, c'est que les programmes WeGirls sont maintenant finançables par votre CPF.
Donc ça, c'est une super grande nouvelle pour toutes les femmes si vous avez du budget. Mes bureaux sont à Brive et mon site internet est écrit là sur la slide. C'est par ce biais que vous allez plus facilement pouvoir me contacter. Est-ce que vous avez des questions pour Élodie, pour Charlotte, pour moi? Petite précision, on vous enverra le support. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'informations dessus, mais il y a surtout les contacts, donc les numéros pour contacter les personnes, prendre rendez-vous. Du coup, voilà. Donc, si vous avez des questions pour Élodie, la première témoin, Charlotte Nicolas du CIDFF et Delphine Laval des We Girls. Et j'imagine que tout à l'heure, Christophe Mazier de Pôle emploi nous parlera aussi de ce qui est possible de faire quand on est demandeur d'emploi en termes de bilan de compétences, d'accompagnement voilà, qui sont proposés par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Merci. Alors, on a une question pour Delphine de Claire Garnier. Est-ce que les accompagnements peuvent se réaliser à distance ? Alors pour les bilans, oui. Pour les programmes de coaching, alors non. Même si parfois on le fait à distance, enfin on met à disposition à distance pour celles qui ponctuellement peuvent pas être là, mais globalement faut être en présentiel. J'ai une question à Élodie. Je voulais savoir si le déclic a eu lieu avant le confinement ou pendant le confinement. C'est important parce que ça peut être aussi un facteur de décision. Alors, moi, le déclic, en tout cas, d'attaquer WeGirls, c'est arrivé au mois de septembre, donc après le confinement, où effectivement, ça a été une très grosse épreuve pour moi. Et après, par contre, le déclic vraiment, de me lancer dans l'entrepreneuriat, on était hors confinement. C'était au mois de décembre, hein, donc on était hors confinement. Est-ce que vous pouvez nous donner, Delphine ou Élodie, une des questions dont vous parliez tout à l'heure, là, le questionnaire de 6 questions qui a fait un peu prendre conscience à Élodie Est-ce qu'on peut avoir un exemple de questions? Alors, évidemment, toute proportion gardée, c'est-à-dire que moi, c'est un visuel que j'utilise pour ma communication et justement pour faire venir à moi les personnes. Hein. Là, on parle de questionnaire un peu à viser quand même commercial, hein, soyons clairs sur ça. Donc c'était la première, c'était des phrases et il fallait cocher. Le confinement m'a secoué, mon boulot n'a plus de sens. Ça c'est vraiment tout à fait quelque chose que j'ai vu apparaître très fort, hein, dont tu as parlé Philippe. Deuxième chose, c'est je ne sais pas ce qui est vraiment fait pour moi. Ça c'est une des préoccupations principales. Je veux un boulot qui me fasse vraiment vibrer. Je voudrais savoir comment réussir, parce que ça c'est ce qu'on voit dans les programmes WeGirls et que j'imagine et que je sais hein, que d'autres, je pense au programme d'Erel que je connais quand même pas mal, BGE aussi doit le l'aborder. Réussir professionnellement dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et en plus, moi pourquoi je cible les femmes, c'est parce que c'est des choses qu'on transmet inconsciemment plus aux hommes qu'aux femmes. Et donc, on va aller creuser aussi ce côté-là pour obtenir des compétences que j'appelle les compétences douces pour réussir professionnellement. Donc, la cinquième, c'était j'ai du courage et sixième, je trouverais ça génial d'être entourée de femmes comme moi hein, parce que la force du collectif est très présente dans ce que je fais. Merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va continuer pour ne pas prendre trop de retard sur le planning. Du coup, là, on va laisser la main à Mélanie et toujours Delphine qui va aller l'interview. Yeah. Hop, je passe la slide et je vous laisse commencer. Mélanie, je vous épingle Mélanie pour que vous l'ayez en gros. Hello!
Mélanie, je te présente rapidement. Tu as 29 ans. Toi, ça faisait 3 ans que tu étais salariée dans une agence dans laquelle tu étais vidéographiste, responsable pôle vidéo et motion designer. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est le motion design, être motion designer? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Alors, le motion design, c'est aussi appelé animation graphique. Donc, c'est la création de vidéos avec du graphisme. Et donc, pour parler un peu plus de mon métier, plus précisément, ça consiste donc à créer des visuels de communication publicitaire en vidéo, des vidéos de type promotionnel, institutionnel ou pour de l'événementiel. L'objectif est de faciliter la compréhension d'un produit ou d'un service, de le mettre en valeur, de le rendre attractif et tout en respectant l'identité de mes clients. Ok, donc, merci. Voilà. Super. Tu en es où, toi, dans ton projet entrepreneurial? Alors, moi, actuellement, mon lancement de projet a été un peu retardé. J'ai dû faire des choix pour limiter des risques financiers et donc pour me lancer par la suite dans les meilleures conditions. Voilà. Ouais. Donc, tu me disais, toi, c'est imminent, hein, ça devrait pas tarder. Ouais. On a beaucoup échangé avec Mélanie, toutes les deux, en préparant l'interview. Et moi, je la remercie vraiment d'être là et de nous partager tout ce qu'elle va nous partager, parce que c'est hyper important d'entendre ce genre de témoignage. Parce que souvent, dans le processus de création, il y a des choses assez taboues qu'on n'ose pas dire ou dont on parle peu. Oui, par exemple, quand on crée son entreprise, il y a des moments où il faut se poser des questions d'ordre stratégique pour sécuriser au maximum cette situation financière. Et ça, tout ce qui est aspect financier, c'est très tabou. Beaucoup de créateurs d'entreprise ont du mal à en parler. Il y a une certaine honte à dire, ben ouais, là, j'utilise mes droits au chômage, droits RSA, etc., avant de me lancer, pour me lancer dans les meilleures conditions. Mais moi, je vous le dis clairement, j'engage que ma parole, vous avez raison, et tu as eu raison de faire ça, il faut absolument se sécuriser financièrement au maximum. Parce que c'est une des garanties de pérennisation de son entreprise. Ça s'appelle des droits, donc ça veut dire que vous y avez droit, et donc vous avez le droit de les utiliser. Qu'est-ce qui te freine encore un petit peu aujourd'hui pour te lancer, Mélanie? Je suis dans l'entre-deux, donc j'ai encore des fois des doutes sur est-ce que je suis le meilleur choix, est-ce que c'est bon. Aussi toute la logique administrative et entrepreneuriale. Dans l'idée, je vais bientôt me lancer, donc voilà, je reste motivée quand même. Ouais, là aussi c'est hyper important. Quand on devient entrepreneur, même en fait on devient entrepreneur à partir du moment où on décide de créer son entreprise, et il se passe un truc hyper important, c'est qu'on devient la seule personne à décider, à prendre des décisions, à faire des choix. Et ça, c'est pas facile quand on vient du salariat où on a l'habitude de qu'on nous dise à peu près ce qu'on doit faire. Et là, on devient la seule personne à devoir décider. Et ça peut être vertigineux, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux, ça peut être très inconfortable. Mais on doit quand même avancer. Et puis en plus, des fois, on prend des décisions sans pouvoir savoir si c'est la bonne. Et on doit prendre des risques, oser. Toi, tu as bénéficié, Mélanie, de l'accompagnement J'entreprends Corrèze, qui est porté par la CHEM et animé par BGE, qu'on va voir arriver normalement si tout se passe bien. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cet accompagnement? Alors, ça m'a beaucoup apporté, notamment toutes les informations concernant les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Moi, j'avais beaucoup de peur, notamment au niveau de tout ce qui est gestion administrative, comptabilité. Et donc là, j'avais en direct des formateurs pour répondre à toutes mes questions. Ça m'a apporté aussi justement des belles rencontres avec ces formateurs, aussi des rencontres au niveau professionnel, un réseau. Ça m'a aussi
permis de mieux positionner, on va dire, en triant les personnes avec qui j'avais envie d'être ou non dans mon futur métier. Et de l'inspiration parce que on a pu rencontrer aussi des entrepreneurs qui sont venus nous parler de leur projet, de leur processus à toutes les étapes. Donc ça m'a apporté aussi du soutien et donc ça m'a boosté d'autant plus. Et le pitch aussi, oui. J'en avais beaucoup discuté avec Delphine. Tout ce qui est prise orale, ouais, plus parole. D'assurance, ouais. Tout à fait. Et on le voit aujourd'hui, Mélanie, tu parles hyper fluidement, facilement, génial, bravo. Toi, tu as un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui sont titillées par l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Oui, c'est toujours le même que je t'avais évoqué donc, la dernière fois. C'est, voilà, c'est quand on est... j'ai pas envie de finir dans un rocking chair, entre guillemets, à me demander un jour... oui, peut-être est-ce que j'aurais dû tenter un peu à regretter, en fait. Et donc, pouvoir aussi être fière de moi et me dire, oui, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire de ma vie. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Mélanie. Nico de BGE est arrivé, Nicolas, Sophie. Oui, normalement, il est là. Super. Est-ce que Bruno alors, avec moi. Je vais poser une question directement à Mélanie à la suite de son interview. Oui, Philippe. Ok, merci. Alors oui, n'hésitez pas à utiliser en fait, le chat. Delphine dit à un moment donné, c'est très difficile parce qu'il y a le vertige de l'autonomie, on est seul à décider. Alors Mélanie... Philippe, pardon, il faut qu'on garde les questions pour après. Ah d'accord, allez, c'est moi qui ai dit oui, excuse-moi. Alors, ça veut dire non. Garda dans ta tête, on enchaîne avec Nicolas parce qu'en plus, il ne peut pas rester tout le temps. J'épingle Nicolas en grand. À toi. Merci, Delphine. Donc bonjour à toutes et à tous. Nicolas Grenier. Donc moi je suis conseiller référent sur le territoire de la Corrèze pour l'association BGE Limousin. Donc nous sommes une structure qui accompagne donc les personnes dans leur démarche et leur projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, on part du principe que tout le monde a le droit d'étudier un projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, nous accompagnons de l'émergence d'idées au travers de dispositifs éventuellement de Pôle emploi, type Active Créa, qui est vraiment en amont de la construction de projets. On va faire de l'accompagnement réellement par la suite à la création d'entreprise si le porteur de projet se sent toujours apte dans sa démarche d'étude de projet, au travers de dispositifs d'accompagnement de la région, de l'AGFIP, et même du département via le RSA, qui permet des accompagnements. Dans notre démarche, on fait également donc, de la formation, et on en a parlé un petit peu juste avant, dans le cadre du parcours de Mélanie, avec donc la chaîne où on a mis en place un parcours de formation certifiant sur 6 mois en fait qui permet donc aux porteurs de projet d'acquérir des compétences de chef d'entreprise tout en étudiant son projet. Donc le grand avantage c'est que voilà, vous êtes formé tout en étudiant votre projet et vous rencontrez des professionnels tout au long de ce parcours là pour vous guider et vous aider dans cette démarche. BGE Limousin, c'est aussi de la formation classique, de la formation sur les compétences de chef d'entreprise, on parle, hein, pas sur la partie technicité et production. Et puis enfin, BGE, c'est également du suivi d'entreprise une fois que vous êtes installé, où on a des dispositifs pour vous accompagner, tout simplement soit pour faire un point par rapport à votre vie d'entreprise, où est-ce que vous en êtes, ou bien parce que vous avez des projets de développement ou parce que votre entreprise est en difficulté. Voilà. Donc, on fait tout ça au travers de dispositifs qui sont financés par différents partenaires. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et nous voir s'il y a besoin et on discutera ensemble de vos projets. Je vous laisse la parole, Delphine ou Sophie. Ouais.
En attendant les questions, une précision que je donne souvent. Donc là, on a entendu Nicolas de BGE, on entendra tout à l'heure Élise Picon de DRL, qui sont deux structures qui font grosso modo la même chose, hein, si je peux me permettre. Ce qui est hyper important, moi ce que je dis souvent et je sais que vous le dites aussi, c'est de contacter les structures et de sentir avec qui vous êtes le plus à l'aise. Et c'est, je pense que c'est OK pour tous, ils le savent, il y a des affinités, il y a des personnalités, c'est important de se sentir hyper bien avec la structure qui va vous accompagner parce qu'elle va vous faire bosser, parce qu'elle va vous remuer et parce qu'elle va vous suivre pendant 3 ans. À peu près, hein, je crois, il me semble, pour tous les deux, c'est pareil. Donc, il faut vraiment vous sentir bien avec elle. Et puis, parce que du coup, aussi, c'est l'opportunité de vous positionner déjà comme un chef d'entreprise. C'est vous qui décidez, qui choisissez. Alors, est-ce qu'il y a des à vous questions les questions. Pour Mélanie, pour Nicolas de BGE. Du coup, Philippe, tu avais une question tout à l'heure, c'est bon, à toi. Merci. Alors, moi, ma question, c'était pour reprendre ce que disait Delphine par rapport au fait qu'à un moment donné, on est seul à décider, qu'on a le vertige. Je voulais savoir, Mélanie, quand est-ce que vous avez eu le vertige et à quel moment et pourquoi et est-ce que ça a été une peur comme celle qu'a eue Élodie quand elle s'est sentie à un moment donné risquer, prendre un risque peut-être qui était au-dessus de ses moyens? À quel moment j'ai eu le vertige? Je pense que tant qu'on n'est pas lancé vraiment véritablement dans ce projet, dans l'entreprise, on a toujours un peu le vertige en amont en disant est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ce que j'ai prévu dans mon business plan, ça va corréler? Je ne sais pas si on peut dire vertige, mais en tout cas, des moments de doute et d'angoisse, oui. C'est pour moi, en tout cas, assez récurrent tant qu'on n'a pas la réalité en face, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Philippe. Voilà. La question, c'est la réalité. Est-ce qu'on n'essaye pas, tendance à ce moment-là, pour se rassurer, d'optimiser l'avenir pour se faire un beau business plan en se disant avec ça, je vais m'en sortir et on devient irréaliste? Ça peut être effectivement un risque. J'ai tendance à optimiser au maximum, pour le coup, les choses et préparer les éventualités en amont. Ça me rassure. Et après. Ça n'empêche pas de me dire que je vais tout de même me lancer. Donc, je crois que, si je me souviens bien d'une phrase qu'on m'a prononcée justement en formation qui m'est restée, c'était « il y a autant d'entrepreneurs qu'il y a de façon de gérer son entreprise ». Donc, voilà, je pense que c'est propre à chacun, mais je préfère bien sécuriser les choses. Voilà, pour ma part. Merci Mélanie. Merci. Alors, on a deux questions sur le chat. Il y en a une où je vais essayer de répondre rapidement parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Hop, attendez, quelqu'un qui arrive. Hop, bonjour Florence. Alors, donc, sur la différence entre CCI, CMA, BGE, IRL, etc. Donc, on va refaire un panorama là-dessus. Juste globalement, la CCI, c'est pour les commerçants. La CMA, c'est pour les artisans. C'est des consulaires. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux aller les rencontrer à un moment donné. Et BGE... et RL sont des accompagnements, eux, généralistes. Il vaut autant vous accompagner que vous soyez commerçant ou artisan. Ils ont chacun un peu des fonctionnements différents. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les rencontrer. Vous verrez par vous-même. Et du coup, à la fin de cette présentation, pendant la dernière heure, vous pourrez aussi aller directement les rencontrer sur les chats. Sauf pour Nicolas. Je rappelle que Nicolas de BGE va devoir partir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à concentrer tout maintenant. Et il demande par exemple quel est le coût de la formation pour devenir chef d'entreprise proposée par BGE. Du coup, donc les intervenants d'aujourd'hui, donc en tout cas RL et BGE, sont des accompagnements qui sont pris en charge par la région. Donc c'est des accompagnements gratuits. Si Nicolas, tu veux compléter, n'hésite pas à reprendre la parole. Et effectivement, il y a un intervenant de Pôle emploi qui est présent à cette réunion, c'est Christophe Mazier. Il va bientôt intervenir. Voilà. Nicolas, est-ce que tu veux compléter par rapport à la question d'Émilie?
Oui, je veux bien compléter. Alors, je vais juste jouer sur les termes. La première chose, nos accompagnements ne sont pas gratuits. Ils sont financés par la région. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est nos impôts, à chacun d'entre nous, qui paient les accompagnements, les heures d'accompagnement que l'on fait avec les porteurs de projets. Mais le porteur en lui-même n'a rien à payer au départ. Après, par rapport au coût de la formation, et je prends l'exemple de la formation qu'a effectuée Mélanie, dans le cadre du dispositif J'entreprends Corrèze, il est entièrement financé par une société privée qui s'appelle l'HM, c'est la Société Hydroélectrique du Midi, qui a financé donc la formation que Mélanie a bénéficié. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres formations qui, elles, peuvent être prises en charge via le CPF ou autre, mais celle-ci, en l'occurrence, était entièrement financée. Il y avait juste un dossier de candidature à déposer pour être retenu, pour entrer dans la formation. Il y a une autre question, Nicolas, parce que c'est vrai qu'à Brive, on a beaucoup, on est au carrefour de 3 départements. Une question, si nous ne sommes pas de Corrèze, pouvons-nous bénéficier de la formation ? De cette formation-là, non. Tu parles de la J'entreprends Corrèze, hein ? J'entreprends Corrèze est purement corrézien, en fait, et donc on fait des accompagnements pour les porteurs de projets corréziens. Ok, mais je pense que Émilie devait parler, tu me précises, Émilie, tu devais parler de l'accompagnement à la création d'entreprise ? Oui, elle dit oui. Oui, mais l'accompagnement... Donc, parce qu'Émilie, elle est du Lot. D'accord, ah, alors on n'est plus du coup sur la même région. Et là, il va falloir voir avec les opérateurs de la région Occitanie. Alors, il y a très bien Bégeux, bien sûr, qui est présent, mais il y a aussi la Chambre de métiers, la Chambre de commerce et peut-être d'autres associations à l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à aller fouiller, j'allais dire, et voir les opérateurs. Et la Bégeux est présente sur tout le territoire français. On est une quarantaine d'associations. BGE. Donc oui, on est présent sur tout le territoire. Donc ça répond à la question de Gilles, est-ce qu'il existe un BGE par département, région ? Ça. Ouais. Super. D'autres questions ? Pour Nicolas ou pour Mélanie ? Donc, à vous de jouer, Bruno et Sophie. Donc, Bruno qui en est un petit peu plus avancé sur le chemin de l'entrepreneuriat. C'est bon pour vous ? Est-ce que vous nous entendez ? Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, c'est parti pour l'interview avec Bruno. Donc, on se connaît déjà parce qu'il a été financé par l'ADI. Donc, c'est parti. Alors, Bruno, je vais te demander de te présenter donc, ta situation actuelle, ton âge et d'écrire ton activité, ce que tu vas lancer du coup comme activité indépendante. D'accord, je m'appelle Bruno Charmadiros, j'ai 60 ans, je lance une activité de commerçant rôtisseur-traiteur. Avant, j'étais restaurateur et je me lance maintenant dans le plat emporté et la rôtisserie. Merci. Alors, est-ce que tu peux décrire tes expériences entrepreneuriales passées ? Parce que tu as déjà monté auparavant d'autres entreprises. Mmh. Et dis-nous ce que ça t'a apporté, ce que tu en as retenu en lien du coup avec ton activité actuelle. Avant, quand j'étais marié, oui, j'ai eu plusieurs restaurants avec ma femme. Et puis, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il ne faut pas compter ses heures. Il faut être présent. Le seul truc, c'est qu'on est, indépendant. Il voilà. Ne faut pas s'attendre à gagner beaucoup d'argent en étant tout de suite entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Tu disais aussi qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller taper aux portes. Ah oui, c'est sûr que pour monter son entreprise actuellement, il ne faut pas avoir peur d'aller taper aux portes. De s'enseigner, de poser des questions à tout le monde, qu'il faut être très patient parce qu'on est vite découragé. Voilà, et qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Non, c'est très bien, écoute.
Ensuite, donc, lors de la dernière expérience, qu'est-ce que c'était ta dernière expérience professionnelle et qu'est-ce qui t'a motivé à recréer du coup une activité? Donc, qu'est-ce que tu faisais là avant de créer? Quelle était ta situation? Avant de créer, j'avais un bar PMU avec ma fille, voilà, en tant que salarié. Après, j'ai eu un accident de la route qui m'a empêché d'être disponible pour travailler avec elle. Voilà, l'entreprise a fini par fermer en liquidation. Et ça a été très compliqué. Mais en fait, ce qui me motive, c'est de réouvrir, c'est qu'on a notre indépendance et qu'on est libre de choisir nos horaires, avoir mon autonomie, être le seul responsable, pas de patron. Voilà. C'est ça. Ouais. Et du coup, donc, au moment de te lancer, c'était quoi ta situation? À bon moment de me lancer, j'étais retourné au Pôle emploi. Et dû avec mes droits, j'ai dû plus avoir l'ARS, qui me permet d'avoir un salaire tous les mois, le temps que l'entreprise se lance correctement. Exact. Alors, au moment où je l'ai rencontré, Bruno, il était effectivement inscrit à Pôle emploi et il y avait un petit souci, c'est qu'il lui manquait un papier pour avoir le droit d'avoir ses droits au chômage. Voilà. Alors, c'était par rapport à sa situation passée. Donc, il était inscrit, mais il y a eu un moment où il n'avait plus de droits au chômage. Quelque chose aussi, du coup, donc, tu aurais pu redevenir salarié à ce moment-là. Tu avais ton ancien employeur qui t'appelait pour te demander de te reprendre. Du coup, entre un salariat où du coup tu as un salaire à la fin du mois, c'est quand même assez sécurisant, et le fait de recréer ton entreprise, toi tu as choisi de reprendre l'initiative de créer une entreprise. Oui, toujours pour garder mon indépendance. Et... Ok, ça prime avant tout. Quoi. C'est ça, avoir sa propre autonomie. Ça marche. Et alors, bon, ça c'est plutôt tes motivations. Au niveau de tes craintes ou les freins au moment de te relancer, est-ce que tu avais quand même quelques inquiétudes, quelques freins avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Tant que je n'avais pas le repos l'emploi, oui, parce que c'est dur de recommencer comme ça à zéro, sans trésorerie, sans rien du tout, c'est vraiment très compliqué. Et par rapport à l'administration française, il faut vraiment être patient. C'est très longueur pour avoir ce qu'on demande. Et après, une fois que tout est en place, faut faire du mieux. Après, faut pas compter ses heures, par contre. Faut pas avoir peur de faire des heures et pas compter gagner des millions au départ, quoi. Pardon, vas-y. Oui, du coup, juste avant de te lancer, donc tu avais besoin de sécuriser ta situation avec Pôle emploi, de récupérer tes droits, et tu avais besoin d'autres choses aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que c'était tes besoins? Qu'est-ce qui te manquait pour pouvoir te lancer? La trésorerie, et puis surtout le Pôle emploi, pour avoir le minimum vital, pour survivre, enfin pour vivre par rapport aux besoins actuels, entre le loyer, enfin tout ce qui va avec. Oui, parce que du coup, là, avec tes droits au chômage, tu as quand même de quoi vivre pendant au moins un an, pendant que ton entreprise se lance. Donc ça, c'est plutôt assez sécurisant. Et du coup, juste petite précision, donc pour tout ce qui est trésorerie matérielle, c'est par la DIC que tu es passé pour te financer. D'ailleurs, après, sur l'intervention de Pôle emploi, peut-être qu'on pourra rappeler rapidement ou au moment des questions, quels sont les deux choix pour les entrepreneurs qui sont demandeurs d'emploi? Il y a soit le maintien des droits, soit demander l'ARS. On reviendra peut-être dessus après. Il y a l'ACRE, ça c'est pour l'URSSAF. C'est pour avoir pendant deux ans, trois ans, des charges limitées. Et après, il y a l'ARS. Mais l'ARS, elle est en deux façons. Soit vous prenez votre Pôle emploi tous les mois. Enfin, moi, pour ma part, ça va être tous les mois à 70% de ma rémunération. Et au bout du troisième mois, avec la déclaration de l'URSSAF, on récupère les 30%. Ou soit au départ, vous prenez l'ARS 45% de vos droits. Après, c'est un choix, mais 45% de vos droits, ça vous fait une belle somme au départ. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien la gérer. Parce que si vous la dépensez au premier mois, il faut vous dire comment vous allez manger dans 6 ou 7 mois. Enfin bon, après moi, ça c'est par rapport à mes expériences. Mais sinon, faut pas avoir peur de mettre de la trésorerie de côté, quoi.
Oui, alors voilà, tu as quand même un long passé de gérant, tu sais qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas manger et se trésorer tout de suite. Donc, dans ta situation, et avoir le maintien des droits chômage, c'était plus intéressant que demander l'ARS. On peut avoir des mois très creux et où on ne fait rien, et si on n'a pas mis, si on n'a pas une trésorerie, on est mort. Quoi, hein. Mm-hmm. Là, vu le contexte qui se passe actuellement, ça va être compliqué pour certains. Hein. Et oui, c'est sûr. Alors, on va devoir conclure. Un dernier mot pour les futurs entrepreneurs ou des personnes qui se posent la question. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? À ceux qui veulent se lancer, qui se lancent, qui foncent, qui foncent, mais avec prudence. Avec prudence, quoi. Voilà. Il faut garder quand même une sécurité. Après, il ne faut pas croire parce qu'on se lance qu'on va tout de suite gagner, que... C'est plus on n'est pas à l'usine, on n'a pas des heures fixes et on n'a plus de week-end. Voilà. Bonnes vacances. Merci Bruno. De rien. Alors, n'hésitez pas. Pendant que vous écrivez vos questions ou pour Bruno, juste avant de passer à la présentation de Christophe de Pôle emploi, j'ai vu la tête de certains. À l'annonce des ARS, des ACR, des RER. Oui, c'est compliqué. Mais dites-vous bien que c'est compliqué pour tout le monde, c'est la jungle pour tout le monde. Posez toujours des questions. Et nous, les structures sont là pour vous aider. On demande que ça, vous aider. Mais dites-le toujours quand vous ne comprenez pas un truc, c'est normal. C'est vraiment très compliqué en France. C'est comme ça, il faut faire avec. Alors, on donne la parole à Christophe Mazier de Pôle emploi. Alors, écoute, c'est à toi. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'enchaînement va être difficile pour présenter Pôle emploi dans les meilleures conditions. Pôle emploi est là principalement, la principale mission par rapport à un demandeur d'emploi, c'est de vous accompagner dans votre projet de retour à l'emploi. Et ça sous-entend qu'effectivement, on intègre être porteur de projet dans le cadre d'une création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Mais les différents témoignages qu'on a eus précédemment montrent bien l'importance d'être accompagné dans ce projet, d'où les différentes structures, mais aussi l'accompagnement Pôle emploi et les aides Pôle emploi possibles à la création d'entreprise. Mais c'est tout un processus et tout un cheminement. Ça part du principe que derrière, il faut savoir, après avoir fait un bilan de compétences, savoir si on peut se positionner en tant que porteur de projet. Un bilan de compétences, c'est quoi ? C'est une prestation que vous pouvez financer par votre CPF ou qui peut être financée sur vos deniers. Nous avons une prestation comparable au bilan compétences qui vous permet de faire le point sur vos envies, sur vos compétences professionnelles et vous donner des pistes. Une des pistes peut être la création d'entreprise. Le CPF, c'est quoi ? C'est que lorsque vous avez travaillé, eu des activités salariées, vos employeurs ont cotisé au titre de votre compte personnel de formation. C'est votre droit. Vous avez comme une grosse tirelire dans laquelle vous avez un fonds cotisé par vos différents employeurs salariés pour vous financer à votre choix, en totalité ou je dirais partiellement, une formation. Pôle emploi peut vous aider à compléter le coût de la formation. Et d'une façon générale, il est possible de réaliser des formations soit quand vous êtes salarié par vos organismes collecteurs des fonds de formation, ce qu'on appelle un OPCO, ou dans le cadre d'un demandeur d'emploi, je dirais, Pôle emploi peut vous financer une formation lorsque ça s'inscrit dans votre projet de retour à l'emploi. Entre parenthèses, soit un retour à l'emploi salarié, soit un projet de création d'entreprise. Il est important aussi de bien sécuriser financièrement, un peu comme l'a évoqué Élodie, son parcours financier lorsqu'on a un projet de création d'entreprise. Ça peut être effectivement soit en amont, on peut démissionner pour un projet de reconversion, et ce projet de reconversion implique un
une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise. Et les aides à la création d'entreprise ouvertes sur votre indemnité chômage, donc les aides Pôle emploi, sont de deux façons. Soit le capital, comme en a bénéficié Bruno, ça peut être aussi le maintien partiel de vos indemnités chômage en fonction de votre rémunération d'entrepreneur. Alors effectivement, comme l'a dit Delphine, c'est assez compliqué, il y a des termes barbares, mais on est là pour vous expliquer, pour vous donner un maximum d'informations. Tous les partenaires qui peuvent vous accompagner, je dirais, sont là aussi, ont un minimum d'informations pour pouvoir vous renseigner au maximum. Et d'une façon générale, même si vous n'êtes pas inscrit en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez avoir tous les renseignements nécessaires, que ce soit sur la démission pour une reconversion ou sur les aides à la création d'entreprise. Merci beaucoup Christophe. Vous avez en partie répondu, assez bien répondu à la question d'Émilie. Peut-on oser se lancer sans base financière sécuritaire ? J'ai l'impression que... à condition d'avoir ouvert un droit à être indemnisé. Ça veut dire préparer son projet peut-être en amont de sa démission si on est salarié. Pour bénéficier d'une démission pour reconversion, j'insiste fortement dessus, il faut effectivement suivre toute une procédure qui est normée. Donc ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau et il faut bien respecter la procédure pour qu'on puisse vous ouvrir des droits à être indemnisé. Ouais, ça, c'est ce que fait donc, pardon, Christophe, Charlotte du CIDFF. Oui, c'est ça. Pardon, je reprécise pour les participants. Oui. C'est ce dont nous a parlé Charlotte, super. Et derrière, effectivement, vous pouvez sécuriser votre projet de création ou de reprise d'entreprise par rapport à vos indemnités Pôle emploi. Bilan de compétences chez Pôle emploi s'appelle Active Projet. J'ai les questions. Oui, super, merci. Peut-être on va écouter Sophie d'abord et puis on finira de répondre à toutes les questions après, ok ? Comme ça, peut-être qu'il y en a plusieurs qui vont se recouper. Merci Christophe. À toi Sophie. Où est Sophie ? Je la vois. Ah, ça y est, tu es là. Ça y est, on t'entend. Ok, ça marche. Alors, donc moi, je vais vous présenter l'association ADI, du coup, que je représente pour la Corrèze. Donc, l'ADI, c'est une association qui est présente à l'échelle nationale et qui utilise le microcrédit comme outil de levier d'insertion professionnelle. Donc, on a deux microcrédits différents. Il y en a un que je vais vous présenter très rapidement parce que ça, c'est moins la question d'aujourd'hui et je vais plutôt me concentrer sur le deuxième. Donc le premier, c'est un microcrédit qui concerne des personnes salariées ou en recherche d'emploi qui ont des problèmes de mobilité. On va pouvoir financer leurs besoins jusqu'à 5 000 euros. Le deuxième microcrédit, c'est un microcrédit professionnel qui s'adresse à des créateurs ou des personnes qui ont déjà créé leur entreprise mais qui souhaitent la développer et qui ont besoin d'un financement. Donc là, on va financer jusqu'à 10 000 euros, tout type de besoins, de la trésorerie, du stock, un véhicule, etc. Le but, c'est vraiment de s'adresser à un large public, donc donner la chance à tout le monde d'entreprendre s'il le souhaite, avec donc un microcrédit moyen qui est dans les 4 000 euros. Donc, il y a des personnes qui vont vraiment avoir des petits projets. Et c'est pour ça que nous, on s'adresse plutôt à des micro-entreprises. Hein. Avec 10 000 euros, effectivement, on ne va pas monter une multinationale. Juste pour vous donner aussi un petit peu à voir le type de public qu'on peut accompagner, donc je vous ai sorti quelques chiffres. Donc au moment du financement, il y en a 38% qui sont aux minima sociaux, donc dont Pôle emploi, dont RSA, dont toutes les aides sociales. On a aussi 24% qui sont sans diplôme. Donc ça veut dire que nous, on va prendre un peu plus de risques qu'une banque classique. Le but, c'est que tout le monde puisse entreprendre, quel que soit son capital, son réseau, sa situation. Également, ce qui est à savoir, c'est que nous, on fait du microcrédit qu'on appelle accompagné. Donc, on ne va pas seulement vous financer, mais on va également vous suivre. Alors, pour tout ce qui est accompagnement amont, donc avant le projet, si c'est un accompagnement court, là, on peut le faire en interne. On a des outils numériques, on a aussi des bénévoles qui peuvent être mis à disposition pour vous aider. Quand c'est des accompagnements plus longs, on va réorienter vers les partenaires, donc RL, BGE et les consulaires notamment. Et ensuite, on va surtout vous accompagner après le financement. Donc, s'il y a de nouveau des besoins, si vous avez, par exemple, des problèmes à trouver des clients, etc., on a plein
d'accompagnement, un panorama d'accompagnement très thématique pour vous aider à développer votre entreprise. Également, dernière chose, je conclue là-dessus. Donc le témoignage de Bruno, il est important pour moi dans le sens où moi, je suis la conseillère, c'est moi qui vais monter le dossier, qui vais vérifier l'adéquation entre le porteur de projet et le projet, analyser sa situation, etc. Mais ce n'est pas moi qui vais prendre la décision. Après, j'envoie le dossier à un comité. Donc, c'est des personnes qui se réunissent et on prend la décision tous ensemble de faire confiance à la personne. Et dans le cas de Bruno, on a attendu que ses droits au chômage soient enclenchés. Donc, il y a eu un petit délai parce qu'il manquait un papier. Hein. Il y a toujours un papier qui manque en France. Et on a vraiment attendu ce moment-là pour pouvoir le financer, pour être sûr que son parcours soit sécurisé. Donc, c'est très important pour nous de regarder tout ça. Et après, on continue à l'accompagner du coup, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de nous. Et là, voilà, on reste en retrait, mais on reste là en cas de besoin. Voilà pour ma présentation. Merci Sophie. Dans les questions que vous pouvez encore abonder, comment connaître nos CPF, vos droits au CPF, vous pouvez aller sur moncompteformation.gouv.fr pour avoir accès à votre espace. Maintenant, nous avons tous un espace perso. Sur lequel on peut consulter nos droits. Il y a même une application qui va vous donner directement le budget disponible. Question d'Élodie qui est super importante. Est-ce qu'on peut démissionner et bénéficier de nos droits quand notre entreprise est déjà créée et lancée, ou est-ce qu'il faut forcément démissionner puis créer son entreprise? Je vais donner la parole peut-être à Charlotte pour répondre à cette question. En tout cas, souvent ça on le retrouve. Il y a des timings, des fois il y a des choses à faire avant ou après, et ça du coup c'est assez important, d'où l'intérêt de toujours questionner, ne surtout pas se retenir de poser des questions. Oui, des fois il vaut mieux faire un truc avant l'autre. Charlotte. Oui, du coup, pour répondre à cette question, alors effectivement, pour ce dispositif démissionnaire, il y a vraiment des étapes à respecter. Il faut absolument prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle avant toute démission. Donc, il y a ce rendez-vous, disons, obligatoire pour faire le point, vous informer sur tout ce parcours-là et les étapes de constitution de dossier. Ensuite, on peut démissionner avant ou après la réponse de la commission. Bien sûr, si on démissionne avant la réponse de la commission et qu'elle ne valide pas le dossier, là, effectivement, il n'y aura pas, la personne ne pourra pas prétendre immédiatement à ses droits de chômage. Ok, merci beaucoup Charlotte. Une question de Gilles, Active Projet et Active Créa sont-elles deux choses différentes? Oui, ce sont deux choses différentes avec des objectifs complètement différents. Un Active Projet, c'est dans le cadre d'une reconversion, mais pour déterminer un nouveau métier, élaborer un nouveau projet professionnel. C'est comme un bilan de compétences. On va faire le point et on va checker toutes les compétences professionnelles, voire extra-professionnelles qu'on a acquis au fil de sa vie. On va les mettre en perspective avec ses centres d'intérêt, avec ses savoir-être, pour déterminer des pistes, je dirais, de nouveaux métiers. Active Créa, portée par BGE, est une prestation pour faire émerger l'idée de la création d'entreprise ou d'une reprise d'entreprise, axée sur trois axes, hein, faire déjà émerger l'idée, j'ai envie de créer mon entreprise, mais sur quelle activité, sur quelle prestation de service. Deuxième axe, déjà à voir avec effectivement une structure telle BGE pour voir s'il y a quand même une réalisation possible, une étude de faisabilité, et aussi travailler les savoir-être et les compétences d'un entrepreneur. Ce qu'on a évoqué, je dirais précédemment, c'est est-ce que je suis en totale autonomie ou est-ce que je suis capable d'être en totale autonomie pour prendre les bonnes décisions en tant qu'entrepreneur? Est-ce que je suis capable d'aller réclamer une facture qui n'a pas été payée? C'est tout un tas de compétences professionnelles qu'il faut soit développer, soit acquérir pour effectivement être capable d'être, je dirais, son propre employeur.
Merci beaucoup, Christophe. S'il y a encore des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, on les réabordera après. J'ai une petite question, si vous permettez. Rapide, Philippe, on est un petit peu à la bourre. Oui, oui, non, mais c'est rapide. On a beaucoup parlé de trésorerie. Et je voulais savoir, Bruno, pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers l'ADI? Est-ce que c'était un problème de reconstituer une trésorerie? Est-ce que vous avez des problèmes avec les banques? Parce qu'on ne parle pas de positionnement de banque. Alors peut-être que Adi et Bruno, vous pouvez répondre ensemble. Et alors j'avais une deuxième question, je profite, mais c'est plus technique, c'est à l'intention de Christophe Mazière. C'est quand on doit à la fin, et on est au chômage, et on doit à la fin de chaque mois remplir une actualisation, souvent on doit cocher le nombre d'heures qu'on a fait et le salaire brut qu'on doit avoir. J'ai toujours été surpris de savoir comment est-ce qu'on pouvait traduire ça quand on était entrepreneur pour pouvoir déclarer ses revenus du mois. Donc, c'est alors, question qui... ouais. Merci question. Philippe. Christophe a quelques minutes pour réfléchir à sa réponse. Et d'abord Sophie et Bruno par rapport à la première question de Philippe. Je commence, je te laisse compléter. Donc effectivement, nous, on fait partie des solutions de financement. On en reparlera après. Évidemment, on n'est pas les seuls à financer. On propose du microcrédit, mais il y a également les banques, il y a également financement participatif, etc. Nous, on ne va pas intervenir si la banque a déjà financé. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre. La banque, évidemment, c'est plus intéressant au niveau des taux. Hein. Ils ont beaucoup plus de clients que nous à l'ADI, enfin, c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc d'abord, on demande à sa banque, si la banque refuse, on peut voir l'ADI. Après, nous, on va pas vous demander un refus écrit hein, de la banque. Par exemple, donc, pour des personnes qui sont en situation de chômage au moment de créer, et c'est très très rare que la banque accepte de financer. Également, pour tout ce qui est micro-entreprise, c'est assez rare aussi que les banques financent. Donc c'est pour ça, nous, on vient combler un trou à ce niveau-là. Mais évidemment, on n'est pas la seule solution. Et du coup, Bruno, peut-être préciser qu'est-ce qu'on t'a financé pour répondre à la question de Philippe complète. Oh ben moi, la banque n'était pas du tout intéressée pour financer mon projet. Ils ne sont pas trop ouverts. C'est pour ça que je me suis tourné vers l'ADI. Et l'ADI, par rapport à mon passé, n'a pas hésité à me donner une trésorerie. Voilà. Les banques sont un peu plus compliquées. Voilà. De leur demander une trésorerie pour un commerce, enfin, je pense que 90% c'est non. Hein. Okay. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Merci. Christophe, par rapport à la deuxième question de Philippe, par rapport à l'actualisation. Alors, dans le cadre des aides à la création d'entreprise, il existe principalement deux aides. Le capital ou qu'on appelle l'ACRE, l'ARS, mais moi je me trompe dans les appellations, ou le maintien pas. Oui, oui, je suis bien placé pour savoir que l'administration est quand même assez complexe. Donc, il y a soit l'ARS qui est en fait l'obtention d'un capital par rapport à ses droits à être indemnisé, ou deuxième aide, mais ce n'est pas l'une puis l'autre, c'est l'une ou l'autre. Et la seconde aide, c'est le maintien partiel de ces indemnités. Dans le cas où du choix pour le capital, le demandeur d'emploi créant son entreprise et n'a plus besoin de s'actualiser. Donc, la réponse à Philippe, c'est que dans ce cas-là, il n'y aura plus d'actualisation. Dans le cas du maintien partiel de votre indemnisation, il faut effectivement s'actualiser tous les mois, déclarer avoir travaillé et déclarer sa rémunération d'entrepreneur, voire en cumul son activité salariée pour certaines personnes qui maintiennent une activité salariée et son activité d'entrepreneur. Précisément, ça va dépendre de votre statut juridique. Une micro-entreprise, une auto-entreprise, ça va être votre chiffre d'affaires. Si vous êtes sous format, sous statut juridique SAS, ça peut être un procès-verbal d'Assemblée générale qui va fixer votre rémunération à temps. Donc, c'est ce montant-là qu'il faudra nous déclarer. Il faudra le justifier. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on y est jusqu'à ce soir. Hein. Et par contre, dans le cadre de votre actualisation, toujours répondre à la dernière question, êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi? Pour oui. Pour maintenir votre inscription et votre maintien partiel d'indemnisation. Dans le cas de doute, nos collègues du service indemnisation sont là pour vous renseigner.
Ils pourront vous dire précisément en fonction de votre statut juridique ce qu'il faut déclarer et comment le justifier. Donc ça, c'est, je ne vais pas dire un détail, mais c'est, on rentre dans le technique, on rentre dans une démarche qui est bien, qui est personnalisée en fonction de votre projet et en fonction de votre réflexion statut juridique. Donc là aussi, en amont, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous renseigner, vous donner toutes les possibilités pour que vous puissiez faire le bon choix du statut juridique. Merci Christophe. Ouais, merci beaucoup. rapidement. Peut-être traiter la question de Nathalie, comme c'est une question, ouais, enfin bon, c'est juste qu'on prend un peu de retard. Donc soit on la garde. Ouais, mais comme on n'est pas hyper nombreux, je pense que c'est pas grave si on fait si on raccourcit le temps libre après. Rapidement, est-ce que moi les bilans de repositionnement professionnel que je vais faire une grosse caricature par rapport au bilan de compétences où on va peut-être lister des compétences ce que l'on sait déjà faire, ce qu'on a déjà appris à faire. Moi, les gens qui viennent me voir, c'est souvent, ils sont déjà passés par des bilans de compétences et moi, je vais utiliser des outils qui vous ramènent vraiment à vous, qui vont permettre de vous reconnecter à vous, qui vous êtes vraiment, peut-être des choses que pour le moment, vous n'arrivez pas à voir vous-même. Donc, on va vraiment aller, voilà, ce que j'appelle reconnexion vraiment à soi, pas lister ce qu'on sait déjà faire. Vers qui me tourner pour un financement type crowdfunding? Elles sont pas là aujourd'hui, mais le département de la Corrèze est doté d'un dispositif vraiment super intéressant et dynamique qui s'appelle Boost Projet, qui va pouvoir vous renseigner sur tout ce qui est crowdfunding. Donc là, il y a une vraie compétence là-bas. Donc je vous recommande de contacter Boost Projet au conseil départemental de la Corrèze. La personne qui est responsable du crowdfunding, c'est Valérie Marin. Soit vous trouvez ses coordonnées vous-même, soit vous pouvez revenir vers moi, je vous donnerai son contact. Puis-je rester salarié et créer mon entreprise? Combien de temps peut durer cette situation? Très intéressante question. Effectivement, alors, ce que vous allez pouvoir trouver comme information sur Internet, la notion d'avoir un projet à côté de son activité salariée, ça a un nom anglais encore, side project, comme le sidecar. D'accord. Et là, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations. Il y a Live Mentor qui a beaucoup écrit ces derniers temps sur les side projects. Ça va dépendre de votre entreprise qui autorise ou non les cumuls d'activités. Ça va dépendre, c'est pareil quand on est dans la fonction publique, il y a des autorisations à demander, etc. Ça, je pense qu'il faut voir en fonction de votre situation de salarié. Je ne sais pas qui va être l'interlocuteur le plus approprié pour répondre à ces questions. Alors, moi, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Effectivement, ça dépend un petit peu des statuts. Peut-être que Élise Derel pourra préciser ça, mais juste nous, information, on a une grande partie de nos entrepreneurs qui sont à la fois salariés et qui ont une petite activité à côté. Donc, en général, ils sont auto-entrepreneurs, micro-entreprises. Et ça peut très bien se combiner tous les deux, surtout au moment où on se lance, en fait, où on a envie de garder soit de l'intérim, soit un contrat salarié de 20 heures pour pouvoir avoir une petite sécurité et le temps de lancer son entreprise. Donc, en tout cas, il y a bien des statuts qui sont compatibles avec à la fois un entrepreneuriat à côté. Et après, ça, la durée, ça dépend de pas mal de choses. Ok. Pour la dernière question, merci Sophie. Tu voulais dire quelque chose Non, je regardais les questions. Parce que, alors, pour la dernière question de Claire, là, pour le conseillez-vous d'intégrer une coopérative d'entreprise pour tester le projet? La notion de tester le projet est très importante. Peut-être qu'on va la garder pour Élise. On verra avec elle. En tous les cas, vous aurez. Ouais. Merci. Je me suis sentie seule un instant. Je vous propose qu'on passe au dernier témoignage. Je vous rappelle que vous aurez encore un temps de questions à la fin, d'aller voir les personnes si vous sentez que votre réponse, vous n'avez pas eu suffisamment de réponses à votre question. Okay. Donc, on va écouter le témoignage de Nicolas, interviewé par Sophie. Where is Nicolas? Allô Nicolas, es-tu là?
Ah, ouais, Nicolas de Jeu, c'est ça. Il est toujours là? Oui, il est là. Ça y est, je suis là. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu es prêt pour qu'on se lance pour l'interview? Allez, mais c'est parti. Ok, ça marche. Alors, bon, comme pour tous les autres... Attends, petite suggestion, demander à Nicolas de couper son image parce qu'il a un réseau difficile. Ouais. Et en coupant son image, le son sera quand même meilleur. Allez, voilà, ça y est, c'est fait. Je vous le mets pas. Ok. Alors, donc Nicolas, comme pour tous les témoins, je vais te demander de te présenter donc ton nom, ta situation et nous décrire un petit peu ton activité actuelle, s'il te plaît. D'accord. Donc voilà, je me nomme Nicolas Juvenico. J'ai créé donc il y a pas très longtemps, ça fait maintenant à peu près 6 mois, donc une activité donc sous la forme donc d'une SAS. Donc pour tout ce qui est électricité générale, plomberie, placo, aménagement d'intérieur, etc., etc. Et donc j'ai dû faire appel à l'ADI pour me financer, on va dire, un véhicule utilitaire professionnel. Merci. Alors, est-ce que tu peux aussi décrire tes expériences entrepreneuriales précédentes, puisque toi aussi tu n'es pas à ta première entreprise? Donc, qu'est-ce que tu as fait avant, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as retenu de ces expériences-là? Alors, donc, oui, effectivement, je ne suis pas à ma première, on va dire, entreprise. Voilà, j'ai toujours eu des entreprises qui ont gravité dans le domaine du bâtiment. J'ai eu des échecs, voilà, j'ai eu des réussites aussi. On va dire, mais qui ont à chaque fois été conditionnés, on va dire, par ma vie personnelle, si vous voulez, qui a toujours plus ou moins influé, bien sûr, sur le côté professionnel. Donc, moi, je suis là un petit peu pour dire qu'il ne faut pas avoir peur, effectivement, de l'échec, il ne faut pas avoir peur de se repositionner. Il ne faut pas avoir peur des doutes, il ne faut pas avoir peur de... voilà, c'est tout ça qui permet d'évoluer, on va dire, journalièrement, une remise en question, je dirais, perpétuelle. Voilà ce que je peux te dire. Merci. Du coup, donc, entre la fin de ces expériences-là et le début de cette nouvelle activité, qu'est-ce que tu as fait, du coup? Enfin, quel a été ton parcours entre-temps et qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner à l'entrepreneuriat? Je suis passé par plusieurs phases, c'est-à-dire que j'ai alterné, je dirais, entre mes sociétés, entre mes différentes entreprises, j'ai alterné C'est complètement inaudible. Ah, Nicolas, excuse-nous. Oui. On t'entend très très mal. Le réseau est un peu défectueux. C'est ton réseau. Est-ce que tu as moyen d'améliorer ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux. C'est un peu mieux. Essayez de vous rapprocher de votre box. Vous êtes en Wi-Fi, là? Alors là, ça va être très, très compliqué. Ah, mince. D'accord. Mince. On réessaye quand même? Essayez de brancher le téléphone avec le 4G, si vous pouvez. Peut-être je peux faire une partage de connexion, effectivement. Et à ce moment-là, je la parole à d'autres intervenants. Oui, alors c'est ce que j'allais vous proposer, Nicolas. Essayez de récupérer une meilleure connexion. Élise et on va passer la main à Élise, ouais. Ouais, tu prends la main. Est-ce que tu as fini avec le... Est-ce que le technicien a fini chez toi? Oui. Super. C'est bon. C'est fini, on est à peu près tranquille. Merci. Bonjour à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Élise Picot. Je suis un peu dans l'ombre, je suis désolée, je n'avais pas bien géré la lumière, mais bon. Donc, je fais partie d'une association qui s'appelle RL, qui a pour mission d'accompagner les personnes qui ont un projet de création et reprise d'activité. Donc, on accompagne toute personne
quelle que soit sa situation sociale ou professionnelle, qu'il soit salarié, demandeur d'emploi, et quel que soit son projet. Donc le secteur, qu'il s'agisse du secteur industriel, commercial, artisanal, de l'économie sociale et solidaire aussi, puisqu'on a un dispositif spécifique pour ce type d'activité, et quel que soit l'état d'avancement du porteur de projet. Derrière accompagnement, on peut mettre beaucoup de choses. Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on a un projet de création d'entreprise, le projet ressemble à une grosse pelote de laine. Tout est emmêlé, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. On peut perdre en temps, en information, en motivation, parfois aussi. Et l'objectif de cet accompagnement par RL, c'est de vous aider à trouver le bon bout de la pelote de laine et de dérouler étape par étape la construction d'un projet de nature entrepreneuriale. Et donc, c'est avec un conseiller qui vous est dédié, au cours de rendez-vous individuels, que vous allez travailler sur la construction et la structuration de votre projet étape par étape. Ça, c'est sur le volet plutôt rendez-vous individuel. Et en parallèle de cet accompagnement plus personnalisé, notre métier, c'est aussi de vous former à devenir futur chef d'entreprise. Et donc, pour ce faire, on anime et organise une quinzaine de formations différentes sur des choses très pratico-pratiques et concrètes. Comment on fait une étude de marché, comment on construit un prévisionnel, qu'est-ce qu'il y a derrière les différents statuts juridiques, sociaux et fiscaux et pour choisir son bon statut, comment je construis des prévisionnels financiers, ça veut dire quoi mettre en place un outil de gestion et comment ça se met en place concrètement, voilà. Des choses pour vous outiller, non pas sur l'aspect technique de votre entreprise, puisqu'on ne pourra jamais apprendre à un coiffeur à coiffer, mais par contre à tenir et piloter la boutique, ça on peut l'aider là-dessus. Super, voilà. Merci beaucoup Élise. J'aime beaucoup ton image de la pelote de laine. C'est tellement vrai. Du vécu. Oui, c'est grave. Mais puis c'est pour tout le monde pareil. Et du coup, c'est hyper important de le dire que pour tout le monde, c'est comme ça quand on démarre. C'est pour tout le monde pareil. Est-ce qu'on a pu récupérer Nicolas avec un bon son? Alors, on a pu me récupérer, mais non, yes. Le son est bon, je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Voilà. Alors, on t'entend bien, mais il y a une mobilette à côté de toi. C'est quoi le grrr? C'est on dirait un bruit de ventilateur, d'ordinateur ou de... Ça le fait pas tout le temps. Vas-y, reparle, Nico, là. Écartez le micro un petit peu, peut-être que... Non, on t'entend moins, là. On t'entend moins. Ah. Je l'imagine sous un truc en train de se contorsionner pour... Non, je comprends que non. Là, ça va quand même. Vas-y, parle. Voilà. Ça va mieux? On t'entend loin. On t'entend loin. Pourtant, je suis prêt, honnêtement. Je suis bien. Ok. Nicolas, est-ce que vous avez bien sélectionné dans le micro, bien choisi l'entrée du micro USB? Quand vous cliquez à droite sur la petite flèche, bien choisir votre entrée. Il y a un petit micro en bas de ton écran. J'ai changé. Est-ce que voilà. Ça... Super, bravo. Ouais. Ah, ça y est, on y arrive, vous voyez. Voilà, bon. Bon, ok. Ouais. Ça enregistre. Ouais. Ça marche. Bon, bah, on reprend alors. Alors. Très bien, entendu. Tu allais raconter du coup ton retour au salariat, en fait. Qu'est-ce que tu as fait entre tes différentes expériences professionnelles et là, ta nouvelle entreprise? Voilà, écoutez, donc, je suis passé, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai alterné plusieurs phases donc salariales entre mes différentes entreprises, voilà, qui ont toujours été conditionnées, je dirais, par le côté personnel, par un côté bien-être que j'ai toujours cherché un petit peu à vouloir développer. Je pense que c'est assez essentiel et qu'on n'en parle pas spécialement assez. Voilà, c'est d'être en phase avec soi-même, d'être bien dans sa vie de tous les jours et de trouver, je dirais, une motivation particulière par rapport à son travail. Voilà.
Et oui, et du coup, pour toi, c'est quoi les principales motivations pour créer son activité? Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a après, c'est parce que je, honnêtement, voilà, j'ai un goût pour l'indépendance. Et puis, on va dire, j'ai une vie qui m'oblige à être, je dirais, flexible. Voilà, on a tous des obligations familiales. Moi, j'ai deux enfants pour lesquels je dois me rendre disponible. Et donc, d'être à mon compte me permet d'avoir une souplesse de travail que je n'aurais pas pu avoir donc, en étant salarié. Et oui, effectivement, voilà. Il y a quand même tout ce côté-là. L'indépendance, ça revient beaucoup dans vos témoignages. Alors, donc, toi qui as aussi un petit peu de vécu en tant qu'entrepreneur, selon toi, c'est quoi les principaux obstacles pour créer une activité pérenne, ou au moins pour créer une activité? Qu'est-ce qui, toi, quels sont les obstacles que tu as surmontés? Ben, les obstacles que j'ai surmontés, on va dire, c'est un petit peu, je dirais, tout ce qui est lié à la vie de tous les jours. À mon avis, il y a pas mal de choses qu'il faut, nous-mêmes, petits artisans, qu'on arrive à faire changer, je dirais. Mais c'est toute une mentalité. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, avec plusieurs entrepreneurs qui ont les mêmes entreprises que moi, qui font donc de l'électricité, qui font de la plomberie, qui font de l'aménagement intérieur, etc., etc. On essaye aujourd'hui de se fédérer, je dirais, et de faire comme des pôles d'échange où on va pouvoir faire du partage de compétences, du partage de connaissances, ce qui va automatiquement, je dirais, nous lier, je dirais, d'entraide. Et il s'agit qu'à nous-mêmes, je dirais, artisans, de pouvoir se fédérer, se regrouper pour faire, je dirais, pour être solide par rapport, on va dire, à des concurrences qu'on peut avoir par rapport à des grosses entreprises qui ont, eux, des outils marketing que nous-mêmes, on a du mal avec nos petits moyens à développer. Mais je reprendrai une expression qui est « l'union fait la force ». Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de vouloir être partenaires les uns des autres. Et oui, et quand on avait parlé de tout ça ensemble, tu disais aussi de ne pas hésiter à s'entourer, donc ça rebondit un peu sur ce que tu as dit, de parler de son projet, de prendre des conseils à droite à gauche. Et par exemple, toi, tu as un comptable qui t'aide à faire toute ton comptabilité. Hein, ça, c'est quand même pas mal pour certaines structures d'avoir aussi un appui là-dessus. Tout à fait. Voilà, il s'agit déjà de s'entourer de personnes de confiance, de personnes qui ont facilité de communication. Parce que quand on a besoin souvent d'un renseignement, il nous le faut tout de suite. Donc, il faut avoir, je dirais, des personnes qui soient réactives et qui ne nous laissent pas choir et puis attendre des réponses pendant 2, 3, 4, 5 jours. Non, le train est passé. Donc, il faut, faut réellement trouver, je dirais, les bons acteurs pour nous accompagner, pour nous entourer et puis avoir une communication assez simple, voilà, assez accessible avec tous ces gens-là. Mm-hmm. Et du coup, la dernière question, c'est toujours un peu la même, c'est quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui se posent la question, qui ne sont pas encore sur le chemin de la création, qui y pensent fortement? Tu leur dirais quoi? On va rejoindre un petit peu la réponse précédente que j'ai faite. C'est surtout, je dirais... Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que l'on veut réellement? C'est une qualité de vie, c'est un aboutissement personnel. C'est, donc bon, effectivement, il y a plein de paramètres à prendre en compte les uns les autres. Mais bon, comme j'ai dit précédemment, le bien-être et le développement personnel doit prendre une place prépondérante, je dirais, dans toutes nos prises de choix, nos prises de décision. Et c'est ce qui doit, en quelque part, un petit peu nous motiver au jour d'aujourd'hui.
Et oui, je suis bien d'accord. C'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut vraiment, mais en tout cas, ouais, tu avais utilisé la phrase quand on avait parlé de tout ça, que des fois il valait mieux gagner peu en étant tranquille que gagner plus en étant malheureux. C'est ça, tout à fait, voilà. Oui. Et ouais, ça m'avait bien marqué cette phrase-là. Si tu as encore quelque chose à rajouter, on a encore un petit peu de temps avant d'embrayer sur la suite. Est-ce que tu as fait passer les messages que tu voulais aux participants? C'est bon pour toi? Oui. Tout, ben, voilà. Après, voilà, c'est, je dirais actuellement, voilà, comme j'ai pu le dire précédemment, il faut pas avoir peur d'être partenaires tous les uns les autres, d'être solidaires et puis de s'organiser, voilà, en termes de pôle d'échange, en termes d'attractivité, en termes de partage de compétences. Voilà. Honnêtement, je reviens là-dessus parce que c'est, je pense, important. Voilà. Oui, tu pointes là, Nicolas, un truc qui est extrêmement important dans le chemin de l'entrepreneuriat. Un chef d'entreprise, il est seul. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, on vit une solitude. Tout à Donc, fait. s'entourer va être vraiment un élément fondamental de la réussite de notre entreprise. Si on reste tout seul, on se tire une balle dans le pied, alors que si on s'entoure de plein de façons différentes, on va au contraire mettre des billes dans notre réussite professionnelle. Tout à fait. Si vous avez des questions pour Nicolas ou Élise. Alors des questions un peu, on va dire, générales, parce qu'il y a une question assez précise de Damien pour Nicolas. Ce que je vous propose, Damien, vous la poserez en privé à Nicolas, juste après là, on va faire un petit panorama, et après, on vous mettra à disposition des salles dans lesquelles vous allez pouvoir échanger en privé. Je vous propose que vous la posiez à ce moment-là. D'accord. Émilie demande, au bout de combien de temps peut-on espérer avoir un revenu minimum? J'aurais tendance à dire une première chose, c'est que ça va vachement dépendre de votre activité. Élise, je vois que tu dis oui, donc j'aurais tendance à dire pareil, Élise, pardon, Émilie, peut-être aller commencer à poser cette question à Élise, et puis du coup, peut-être, parce que Nicolas de BGE est parti. Émilie, peut-être tu vas pouvoir voir avec Élise aussi si elle connaît les structures du Lot ou comment c'est possible, parce que toi, là, ce que je sens, c'est que t'es pas en Corrèze, donc du coup, t'as du mal à trouver l'entourage. Peut-être Élise va pouvoir t'aider, j'espère. Il y a une Pareil pour... question, pardon. Attends, ouais, 2 secondes. Passe par le chat, toi aussi. Par rapport à la question de Claire, pareil, conseillez-vous d'intégrer une coopérative d'entreprise pour tester le projet? Alors moi, je dis un grand oui pour tester, tester, tester. Mais du coup, ça va pareil, à mon avis, dépendre de l'activité, du coup, pour la question coopérative d'entreprise. Et puis, ça dépend où on est, etc. Ça dépend. Donc là, pareil, je pense que Élise va être peut-être la plus compétente d'entre nous. C'est mon point de vue, mais peut-être que d'autres vont pouvoir dire j'ai aussi une réponse à apporter. Donc, aller voir Élise dans la partie libre, ok, et vraiment poser des questions plus en duo. 11h20. Philippe, c'était une question générale que tu avais? Oui, c'est une question générale, c'était par rapport à ce que a dit Nicolas à l'instant, c'est-à-dire que il était nécessaire de pouvoir que c'était conditionné aussi par sa vie privée. Alors, c'est une question plus globale à l'ensemble des porteurs de projets à qui je m'adresse, c'est qu'on dit bon, on fait un engagement personnel, on s'engage, on se retrouve seul, mais est-ce que dans la réalité, quand cet engagement est personnel, et jusqu'à quel point on n'engage pas non plus sa famille avec, et est-ce qu'on a besoin aussi de la caution de son conjoint, de ses enfants pour pouvoir entreprendre une aventure comme celle-ci? En fait, pour ceux qui ont une famille, pour les célibataires, c'est un autre sujet. Alors, on va préciser son conjoint ou sa conjointe parce Pour sa conjointe, oui. que, enfin, c'est-à-dire, c'est une question de système et pas que de question, est-ce qu'on a le droit, nous femmes, d'entreprendre sans l'autorisation de nos maris? Je dis C'était pas ça du tout comme ça ça. au passage. Non, mais Delphine, je ne le ramène pas à ça. C'était Mais simplement c'est moi qui le que ramène à ça. C'est moi, Philippe, il n'y a pas de souci, à un c'est moi. moment donné, l'influence de Oui. l'engagement qu'on prend peut avoir des réflexions sur des réactions sur la famille, puisque on a dit qu'il fallait assurer le bien-être de sa vie privée, de son cadre privé, comme le disait Élodie au tout début.
Tout à fait, c'est moi qui précise par rapport à ma spécificité. Oui. Est-ce qu'il y a des témoins ou des. Ouais, peut-être dans les témoins qui ont envie de répondre à cette question. Et de toute façon, je pense que dans n'importe quelle structure que vous, dans laquelle vous passiez, on va vous poser cette question. Est-ce que votre entourage est plutôt favorable ou plutôt absent ou plutôt défavorable à ce projet? C'est pas forcément quelque chose de bloquant, mais il faut le prendre en compte. Et ça va déterminer des choses. Élise nous précise, un projet de création d'entreprise est aussi un projet familial. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, ça engage vous qui faites partie d'autres systèmes, le système familial, et donc ça va avoir des répercussions. Et oui, et d'avoir un réseau autour de soi qui soutient son projet, qui est derrière soi, c'est vraiment pas négligeable. Et du coup, quand on a des enfants, là je rebondis un peu sur le témoignage de Nicolas, c'est vrai que par exemple, tenir un magasin... et en même temps jongler avec les horaires de ben, récupérer les enfants à l'école, etc. Ça va faire partie d'un prévisionnel, en fait, personnel et professionnel. Donc rien n'est incompatible, il faut juste, comme le dit Delphine, le prendre en compte. Dès le départ, poser ses obligations, ce qui est important pour soi, et construire le projet en fonction de ça. Ça fait partie d'un tout, si on veut que ça marche. Émilie pose la question... Si la situation familiale n'est pas stable, on ne se lance pas. Donc là, on n'a pas assez d'informations. J'ai l'impression que c'est ça que tu dis aussi, Élise. Pour, c'est pas, y a pas de réponse préconçue. C'est toujours, tu me connais, Émilie, c'est jamais, c'est possible, c'est pas possible. C'est comment on fait avec cette information-là. Élise, tu précises ? Oui, c'est ça. Les choses ne sont pas forcément tout noir ou tout blanc, en fait. Mais surtout ne pas nier et se voiler la face par rapport à un élément de notre situation. C'est pas un problème en soi, mais c'est quelle solution on trouve pour compenser quelque chose qui va peut-être faire baisser la balance, et comment on fait pour compenser. C'est toujours dans le comment on fait. Je pense que c'est ça aussi, c'est un programme nouveau à avoir pour moi. Hein. Ça, je parle de mon point de vue, de mon phare. Quand on s'engage dans l'entrepreneuriat, c'est plus essayer de plus souvent se poser la question comment je fais, en fait. Voilà. Et pas est-ce que c'est possible, pas possible. C'est jamais binaire. Est-ce qu'on peut donner la parole à Nathalie Chevalier qui semble avoir un message à nous passer là-dessus? Ouais, et après, on va passer au panorama. Ouais. Sophie, prépare-toi. Oui, bonjour. Oui, c'était l'idée. Moi, j'ai deux enfants adolescents ou même adultes. Hein, le plus grand, il a 21 ans. Et dès le départ, en fait, je les ai associés à mon projet, aux étapes de doute, aux rendez-vous positifs, aux rendez-vous qui n'aboutissent pas, parce que je trouve intéressant pour eux aussi de se confronter à la réalité de la nouvelle vie de leur maman et des impacts que ça peut avoir aussi sur notre quotidien, sur le budget, sur ma disponibilité. Et en plus, ils ont un regard, aujourd'hui les jeunes, enfin moi j'ai 50 ans, et ils ont un regard qui, je trouve, amène de l'énergie, en fait, et souvent très réaliste. Et là où moi je vais avoir des doutes, par exemple, eux ils vont me dire mais non, vas-y, enfin qu'est-ce que tu risques, et je trouve ça très riche du coup de le partager avec eux. Voilà, c'était... Merci Nathalie. Je formule à voix haute parce que je ne sais pas si tout le monde voit le chat. Il y avait une question, est-ce qu'on doit obligatoirement avoir un comptable? Non, ça va dépendre du statut juridique. Effectivement, en auto-entreprise, qui est un statut qui est très utilisé et qui est super bien pour démarrer, il n'y a pas d'obligation légale d'avoir un expert comptable. Donc, pas forcément. Vous l'avez senti, vous le sentez peut-être, c'est une réalité. Identifier les partenaires qui vont pouvoir vous aider dans votre parcours, ça peut être compliqué. Donc on a Sophie nous a préparé ce matin
un panorama, voilà, essayez de vous donner une première globalité visuelle de différents acteurs qui existent sur le territoire corrézien, sachant que ce n'est pas exhaustif. Je te redonne la parole, Sophie. Oui, ça marche. Alors, oui, là, on n'a pas vocation à être exhaustif, mais juste vous donner un petit peu à voir qu'est-ce qui existe. Encore une fois, on vous encourage à rencontrer le plus de monde possible, à taper aux portes, à les appeler pour voir les différences, pour voir ce qui vous convient le mieux. L'accompagnement, c'est aussi une question de personne. Hein. Il peut y avoir un feeling avec la structure, mais pas forcément avec votre conseiller. Enfin, voilà. Et c'est à vous de vous faire votre propre avis. Globalement, donc, il y a un groupement qui existe, qui s'appelle Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, ENA, qui regroupe tous ces acteurs présents sur cette slide. Il faut savoir que ce groupement-là met à disposition des accompagnements qui vont être pour vous gratuits. Je rebondis par rapport à ce qu'avait dit Nicolas de BGE, c'est gratuit pour vous, mais évidemment, c'est pris en charge par la collectivité. Donc, tout cela, ils sont conventionnés avec la région, ils peuvent vous accompagner du coup, sur votre projet. Et du coup, donc, par exemple, la CCI, ça va être plutôt pour les commerçants, la CMA, plutôt les artisans, RL et BGE vont être généralistes. Il y en a qui vont faire de l'accompagnement et du financement, certains plutôt juste de l'accompagnement. Il faut savoir également qu'on se connaît tous, on travaille en relation. Donc, moi, ça m'arrive régulièrement, par exemple, de monter des projets, de suivre des projets en collaboration avec avec BGE ou la CMA notamment. Donc, c'est pas grave d'avoir deux personnes qui vont vous accompagner. Il ne faut pas non plus démultiplier les accompagnements, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous passez par une porte et que ça ne convient pas, on saura aussi vous orienter vers d'autres structures qui sont plus à même de vous accompagner. Par exemple, des projets moi, sur l'agriculture, je vais plutôt orienter à la chambre d'agriculture. Voilà. On a quand même chacun nos spécificités. Ensuite, donc ça c'est le groupement, mais il y a encore d'autres structures, désolé si ça vous perd un peu, mais il y a des structures qui sont du coup qui gravitent autour, qui sont toujours sur des questions de la création d'entreprise, des compétences, etc. Par exemple, on va avoir Pôle emploi, hein, qui est bon, un acteur phare, une institution sur le parcours professionnel des demandeurs d'emploi, la mission locale plutôt pour les jeunes, WeGirls du coup qui vous a présenté, enfin que Delphine vous a présenté tout à l'heure, où il va y avoir beaucoup de questions de compétences, de repositionnement personnel, avec un volet plutôt dédié pour aux femmes. Le CIDFF du coup qui va plutôt être sur tout ce qui est reconversion professionnelle, comment avoir accès à mes droits, etc. Et on a aussi des structures plutôt sur le financement participatif qui vont vous accompagner sur des thématiques précises. Tout ça, c'est accessible en ligne. Faites-vous votre propre idée, rencontrez les personnes et vous inquiétez pas. Nous, ce qui nous importe tous, c'est qu'il y ait au moins un accompagnement, que vous ne soyez pas seul. C'est vraiment primordial d'avoir un avis extérieur, d'avoir une épaule, quelqu'un qui vous conseille, qui vous soutient, quelle que soit la structure, peu importe. Voilà pour le panorama rapide. S'il n'y a pas de questions là tout de suite là-dessus, alors je vais arrêter le partage s'il y a peut-être une question. Puis-je rajouter un groupe d'acteurs qui me semble manquer, mais bien sûr, Élise. Dis-nous. Il y a eu la question tout à l'heure de est-ce que je peux tester mon activité par le biais des coopératives. Mm-hmm. Et donc, il me semble important de parler un tout petit peu de ce que sont les coopératives d'activité et d'emploi. Alors, je fais leur promo à leur place, mais parce que je trouve que c'est un bon moyen pour se lancer. C'est une structuration juridique assez spécifique où vous êtes en fait salarié entrepreneur et donc pendant 2 ans, vous êtes un petit peu sous la protection de cette coopérative qui va vous accompagner sur le temps de la création du lancement de votre activité de manière autonome. À l'issue de ces 2 ans, vous avez soit la possibilité de sortir de cette coopérative, soit d'y être associé, mais de rester indépendant. Et donc, il existe des coopératives qui interviennent en Corrèze, notamment dans le secteur spécifique du bâtiment, il y a Copébat, qui intervient. Alors, outre l'accompagnement, la structuration juridique plus sécure, puisque vous avez le statut de salarié et donc les indemnités au chômage, je ne m'étendrai pas sur la question, ben, il y a la possibilité de mutualiser aussi des services, et notamment la question de la décennale. Pour les entrepreneurs du bâtiment, ce n'est pas anecdotique. Donc ça, c'est une coopérative d'activité sectorielle,
Copébat, et puis après, vous avez d'autres coopératives qui sont plus généralistes. Iriscope, Sésame Oxalis, Cop Alpha. Voilà, je crois que c'est les principales coopératives qui interviennent en Corrèze. Merci beaucoup, Élise. Merci. Alors, j'en profite pour remercier tous les témoins, tous les participants, donc dans l'ordre Élodie, Charlotte, Delphine, donc ma coéquipière de la journée, Mélanie, Nicolas de Bégé, qui a dû partir, Bruno, Christophe de Pôle emploi, Nicolas, Juanico qui a dû s'absenter, il va essayer de revenir, et Élise Derel. Voilà, merci à tout le monde, vraiment, pour en tout fait, ça. En fait, là, on va... Ouais, on va clôturer le moment tous ensemble, mais on va ouvrir des salles pour que vous puissiez aller voir en petit comité ou en duo les différents intervenants et les témoins, d'accord ? Et là, Sophie,